Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, chose inhabituelle, donc je vais vous présenter mon nouveau vélo. C'est la Lankelezi X2000+. Donc, c'est un vélo électrique, fat bike. Donc, ce qui veut dire que les roues sont un peu plus larges que ce qu'on a d'habitude. C'est presque une roue de moto en fait. Celui-ci, c'est 20 pouces sur 4 pouces de large. Voyons en premier la boîte. Le tour de la boîte, assez sobre. Il n'y a pas de marque indiquée nulle part. Donc la taille, 148 par 28 par 79,5 cm. Donc 79 pour les Français. Et voilà. Donc, je vous mets quelques photos maintenant. Le tour de la boîte, parce qu'on ne va pas commencer à chipoter. Et ouvrons tout de suite pour découvrir le contenu. Voilà. Voilà la première étape. Donc j'ai mis le guidon. Il y a le garde-boue 1 et un autre qui était attaché à l'arrière. Le contenu de la boîte qui était à côté, donc on a le quick release pour enlever aussi rapidement le roue avant, mode d'emploi en anglais, la prise européenne. Ils ont même pensé à donner un adapteur en anglaise, pompe, lock, donc la verrouiller. Allen, allez, un petit paquet de clés Allen multiples, une clé plate de 15-13 et lumière clignotante et puis klaxon pour, ou plutôt un gling pour en finir. Frein à disque à l'arrière et également frein à disque à l'avant. J'ai pas encore monté les roues avant. Bon, comme c'est bien indiqué ici. Puissance du moteur 1000 watts, les roues 20 pouces sur 4 pouces de large, Shimano tournée TL, donc c'est l'entrée de gamme de chez Shimano. Il y a beaucoup mieux, mais bon, à ce prix là on doit pas non plus espérer trop quoi. Amortisseur un ABS plus à l'avant, réglable, allez réglable, on peut verrouiller ou pas. LKLS, donc c'est l'abréviation de Lankelezi, je sais pas si je le prononce bien. Voilà, Snow Moped, la X2000+, donc la batterie se trouve ici, on va voir tout de suite, on fait la release avec ça et on a donc la clé qui se trouve ici en dessous, le petit poignet pour le transporter une fois que c'est plié, prise de chargeur, de charging mouth avec un clapet ici, le logo, voilà la lampe LED avant, guidon super bien fait. Vous avez ici le poignet d'accélérateur. Donc, pas de la bête. Franchement faisable. Lankelezi, merci. Hein. Belle surprise jusqu'à là. On pousse et on tire pour casser le cadre. Vous avez ici le picot anti-vol de la batterie qui est actionné par la clé. Désolé pour les bruits, hein, c'est parce qu'on tourne dehors, donc comme vous l'avez vu, il y a de temps en temps des passages à côté, donc ça fait des bruits. Le guidon, c'est pareil. Donc vous poussez et vous tirez. Super facile. Et de là, il s'éplie. Il va dans ses sens. Et alors, on soulève et on casse le vélo. Comme ça, vous voyez comment il s'éplie. Voilà. Vélo
vous avez ces petits patins là, parce que vous le voyez bien, ces petits patins, ce qui nous sert à le mettre au sol. Ça, c'est la seule position où il est autorisé dans un bus. En Belgique, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, nos transports en commun, dans le métro, le tram, le vélo est autorisé, dans certains trams on va dire, ils sont autorisés à être transportés en entier, à les déplier, mais dans les bus par contre, il est autorisé uniquement en étant plié. Et on a ici l'écran de contrôle, pour le contrôle de la partie électronique. Donc un appui long sur le power va allumer le contrôleur en fait, pour contrôler le moteur de 1000 watts qui est à l'arrière. Donc, comme vous le voyez, il est à 0 pour l'instant. Et quand il s'allume, il est immédiatement sur niveau 1. Donc, on peut la régler jusqu'à son cinquième niveau. Donc il y a 5 niveaux en tout, dont chaque niveau a un palier de vitesse qui est enregistré, maximum. La batterie, il y a déjà 2 barres sur 5 en arrivant. Donc c'est assez sobre, mais très clair. Donc, le tout premier test que j'ai fait, donc, batterie plein, c'est le mode flemmard. Donc, je voulais voir en fait exactement, donc vous le voyez au niveau assistance, c'est 0. Donc ça permet en fait d'utiliser la gâchette et pas de pédalage. Donc, vous verrez à droite de l'écran, c'est la simulateur GPS que j'avais capturé sur mon GSM, histoire de voir en fait combien de kilomètres réellement est la vitesse maximum que je peux faire, puisque la vitesse affichée sur la LCD est légèrement différente sur la mesure que j'avais pris par GPS. Il y a une différence de 2 à 3 km heure, donc c'est 2 à 3 km heure de plus sur le GPS. Donc quand ça affiche vitesse maximum 30 km/h qui est affiché et des brouettes 30,5, j'étais à 32,8 voire même 33 quasi sur mesure GPS. Donc pour info, je pèse 91 kg. Comme ça, on a ou vous avez plutôt plus ou moins une idée de combien il peut faire avec votre poids à vous. Premier halt après 13,18 km. Donc j'ai rappel, hein, donc c'est 100% électrique. Après 13,18 km parcourus, il me reste encore 3 barres sur 5 sur la batterie. Et j'avais accéléré comme un bourrin tout au long. Hein, et il y a pas mal de pentes autour de chez moi. Donc vous avez pas mal de pentes. Et je me suis dit, bah, je vais y aller parce que le chemin, parce que moi je l'ai acheté pour aller au boulot surtout. Le chemin de chez moi vers le boulot, ça fait 25 km et que de pentes la plupart, en allant surtout. Température moteur, elle est normale, donc même pas froid, même pas chaud en fait. À savoir que entre le halt jusqu'à celui-ci, j'avais roulé 7 km et 7 km non-stop. Ah, le garde-boue. Ah ben, on peut faire mieux. On peut faire mieux, franchement. Parce que celui-ci, elle n'est pas terrible, terrible. Par contre, la selle, elle est super meuleuse. Et il n'y a rien à dire de plus. Super agréable. Profitons également de cette halte pour voir comment il fonctionne, cette lampe LED à l'avant. Un appui long sur le bouton plus, bah, l'allumera. Et comme vous le constatez, bah, la nuit, ça éclaire bien devant soi. Ça remplit, ça fonctionne, quoi. Et donc voilà pour ce premier test, après 26,26 km mesurés au GPS, eh ben, il ne restait plus qu'un bar comme vous l'avez vu là. Il ne reste plus qu'un bar. La batterie, ce n'est qu'un 10 Ah/4 on va dire, que j'ai là. Il y a moyen de le changer si vous voulez un peu plus. Pour moi, là, ça me satisfait largement puisque de chez moi, au boulot, ça fait 25 km tout pile. Donc je sais que même si je suis si j'ai la flemme, on va dire, ben, j'y arriverai facilement. Ah ben, nous sommes ici le lendemain.
Juste une petite balade en fait pour aller jusqu'à 50 km, comme ça sera un chiffre rond pour le test réel du lendemain, trajet boulot-maison. Et ça y est, c'est parti. Ah ben, aujourd'hui, c'est le test réel, trajet boulot-maison. Donc là, je suis en assistance 3. Je me suis même permis de dépasser, certes, c'est des juniors, mais bon, un grand sportif comme moi doit déjà s'en contenter. Je les ai dépassés les doigts dans le nez. Donc toujours pour le bien du test, hein, une fois arrivé sur Bruxelles, j'ai pris le chemin le plus court, qui implique en fait de prendre une bonne partie de la route en pavé, qui n'est pas sans risque pour nos postérieurs. Bon, heureusement que la selle est super moelleuse, mais même pour ça, je ne les referai pas tous les jours non plus. On est autorisé à rouler sur la bande bus, c'est ce que j'ai fait. N'oublie pas qu'en empruntant ces genres comment dire, de privilèges pour les cyclistes sur Bruxelles, ça ne vous octroie pas non plus un passe-droit. Donc vous êtes toujours soumise au règlement, ou plutôt au code de la route. Donc vous devez pédaler à une vitesse où il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Il ne faut pas rouler à du 5-10 km/h. Il faudra pédaler un tout petit peu plus. Puisque si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez toujours aller sur la partie qui est réservée pour le piéton. Et me voici enfin au boulot, après 25 km. Donc il y a une différence de 2 km en fait entre l'afficheur et la mesure GPS que j'avais prise. Mais il y a bel et bien 25 km entre les deux trucs. Donc il me reste 2 barres sur 5. Je suis très très content. Le test est très très concluant pour moi. Je vais la recharger pour pouvoir repartir tranquille ce soir. Et voilà, on arrive à la fin de ce test qui est, j'avoue, un peu plus longue que ce qu'on connaît habituellement. Mais bon, pour aller un petit peu plus dans les détails, il fallait toute cette souffrance. Mais c'est pour une bonne cause. En tout cas, pour moi, le test est concluant. Ce vélo est magnifique, mais vraiment magnifique. Et que s'il fallait lui trouver des points négatifs, donc je dirais les pédales qui sont en plastique, qui se remplacent très très facilement. Le garde-boue, oh, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment pas cool. Et absence des catadioptres à l'arrière. Mais bon, ça aussi, ça s'achète pour 4-5 euros chez Decat ou autre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin et j'espère vous revoir aux prochaines vidéos. Au revoir!